Le reportage était signé Charles Kouakou, commenté par Michel Brault. 50 prises en charge offertes aux malades de la hernie. Le geste est de Mefa Dosso, cadre de la région du Béret, en faveur de ses parents des localités de Marandala, de Tienengboué et de Bouagdougou. Un acte de portée sociale inscrit dans la droite ligne de la politique du président Alassane Ouattara, d'apporter le mieux-être aux populations, selon le donateur. La cérémonie de remise de prise en charge aux malades s'est faite sous le regard de notre reporter Emmanuel Bonzo. C'est dans la cour de la maternité de Bouagdougou que Mefa Dosso a posé ce geste majeur en faveur des malades de la hernie. Ce cadre de la région du Béret leur a offert 50 prises en charge pour mieux faire face aux soins liés à cette maladie. Les bénéficiaires sont issus des sous-préfectures de Marandala, Tienengboué et de Bouagdougou. Pour le donateur, il s'agit de faire bénéficier des retombées de la politique sanitaire du président Alassane Ouattara aux populations vivant dans les zones reculées du pays. Aujourd'hui, nous sommes à Bouagdougou. Prochainement, nous serons à Congasso, à Kounaïri, dans les autres sous-préfectures, pour apporter en fonction de nos petites contributions, en tout cas, un minimum de santé pour nos parents. Parce que c'est la santé qui détermine tout. On dit quand vous êtes en bonne santé, vous avez travaillé bien et vous apportez plus. La remise des prises en charge s'est faite en présence des autorités préfectorales, religieuses et coutumières de la région du Béret. Elles ont, à cet effet, salué l'action de Mefa Dosso en faveur de ces malades de la hernie. Le préfet, faisant corps avec sa population, on ne peut que saluer une telle activité qui donne la santé aux populations, donc les initiateurs également, dire ses remerciements et ses encouragements pour la suite. Je voudrais tout d'abord remercier le gouverneur de sa présence à cette cérémonie, et ainsi que les organisateurs. En premier, le commandant Mefa Dosso, qui a pensé à ma population. Mefa Dosso entend poursuivre ce type d'action en faveur des populations de la région du Béret.